Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là aussi, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, pourquoi êtes-vous resté ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez bénis en ce dimanche 20 septembre. Le texte que nous avons écouté est déjà assez long, donc je vais être très bref. La première chose, c'est qu'il faut reconnaître que ce texte est souvent appelé le texte des ouvriers de la dernière heure. Que nous soyons de la première ou de la dernière heure, ce qui est important, c'est que nous puissions accéder à ce domaine-là du Maître. Deuxième chose à retenir, il y a du chômage ici. On a vu des gens qui sont restés dehors. Ils n'ont pas trouvé du travail durant toute la journée. Ça doit nous faire penser à notre temps, le temps dans lequel nous sommes, où beaucoup de jeunes ne trouvent pas du travail. Est-ce que ce n'est pas de l'égoïsme des gens qui en ont? Je pense que si nous apprenons à redistribuer les choses, il y a du travail pour tout le monde sur cette terre, d'une part. Mais d'autre part, est-ce que ce n'est pas à cause de la paresse ou du manque de sagesse de ceux qui cherchent du travail? Parce que souvent, on rencontre beaucoup de personnes qui peuvent bien travailler, mais qui sélectionnent tellement. Je me dis que si c'était aujourd'hui que le maître sortait et voit quelqu'un à 17h, il dit « va travailler dans ma vie », il va se moquer même de lui au lieu d'aller travailler et d'espérer de lui quelque chose. Je pense que nous devons changer de mentalité et regarder le monde comme le lieu dans lequel Dieu nous a envoyés pour faire quelque chose. Chacun a quelque chose à faire. Ensuite, le maître s'est mis d'accord avec eux au début. Je pense que le Seigneur s'est mis d'accord aussi avec chacun de nous au début. Avant notre baptême, nous avons compris. Avant notre confirmation, nous avons compris l'héritage qui nous attend. Ce n'est pas de la prospérité physique, ce n'est pas de l'argent que Dieu nous a promis. Il nous a promis le ciel, le paradis. Et donc, lorsque nous entrons dans l'église, nous entrons dans la foi pour rechercher la prospérité, il y a un problème. Parce que le contrat initial ne disait pas que je deviens chrétien pour être prospère. Dans une de mes homélies, un jour, j'expliquais cela et quelqu'un à la fin m'a dit, mais mon père, les patriarches étaient prospères, les gens étaient prospères, pourquoi nous ne devons pas être prospères? J'ai dit, non, ce n'est pas que le chrétien ne doit pas être prospère, tout le contraire, le chrétien doit être très prospère, mais nous n'avons pas la foi pour être prospère, non, nous avons la foi pour être sauvés. Et si Dieu, dans le salut qu'il nous donne, nous accorde aussi prospérité, béni soit son nom. Et c'est pour cela que je l'implore aujourd'hui, pour qu'il t'accorde prospérité et paix, et grâce, et simplicité, et aussi sainteté. Mais sache-le bien, nous ne suivons pas Jésus pour être prospère, nous suivons Jésus pour être sauvé. Et dans le salut, il peut y avoir de la prospérité. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.